Je t'ai dit, mon frère, écoute ce que je t'ai dit, parce que Satan est près de toi. Si tu le dis, tu vas pas aller à l'église. Satan te prend, mon frère. Ne laisse pas Satan dominer ta vie comme ça. Relève-toi et prie le Seigneur. Fais la volonté de Dieu comme il te demande. Ne le laisse pas comme ça, Dieu. Ne le laisse pas parce que si tu le laisses, Dieu aussi, il peut te laisser, il peut enlever ta mine sur toi. Et toi aussi, tu vas vivre ta vie de Satan et de misère. Tu ne vas jamais être riche. Tu seras toujours pauvre. Et Satan te fera toujours du mal. Ah, mon frère, si tu es Jésus, Satan ne peut rien faire. Si tu es Jésus, Satan ne peut pas commander si c'est tel. Si tu es Jésus-Christ de Nazareth, Satan ne peut pas obéir. Satan ne peut pas faire quelque chose si c'est tel. Mais tu fais quelque chose depuis Jésus-Christ de Nazareth va lever la main sur toi. Petit que vous voulez écouter. Parce que Satan même a peur de Jésus-Christ de Nazareth. Satan a peur de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus est dans le lieu des cieux, il regarde là sa petite fille en train de prier. Satan ne veut pas mettre un œil, un regard, un télépathie. Parce que Dieu peut lever sa main et Satan. Et c'est fini. Parce que Dieu commande Satan. Dieu nous commande. Même, ne peut pas crier sur Dieu. Dieu peut crier sur nous. Et on doit le couper. Si on ne le coupe pas, Dieu peut faire quelque chose. Tu vas pas nous plaire. Dieu, tu vas dire, viens mon secours. Rétablis-toi, mon frère. Rétablis-toi. Va prier le Seigneur dans les maquis. Parce qu'il y a les gens qui sont la bois. Ils ne connaissent pas que Dieu les aime beaucoup. Dieu nous aime. Dieu nous aime beaucoup. Mais quand on fait du péché, l'amour de Dieu s'éloigne. La main de Dieu s'éloigne. Et ça s'éloigne très, très loin. Et nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Parce que tu as mangé matin. Tu as mangé matin par la volonté de Dieu. Celui qui t'a donné matin, le manger que tu as mangé, te revoit. Et ça va faire. Tu es avec la volonté de Dieu, tu vas manger tous les jours. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu seras pauvre. Tu ne vas même pas avoir de manger matin. Comme j'ai fait. Manger loué Dieu jusqu'à ce que j'ai 7 ans maintenant. Quand moi j'avais 2 ans, je ne donnais rien à ma camarade. Je dis, toi, si tu touches à ma main, je vais te frapper. Et ma camarade dit, viens me frapper. Quand je m'en vais à la maison, on ne va pas me punir à cause de méchanceté que j'ai fait. Il me mange genou pour ça, tout ça là. Et puis après, il me parle de l'évangile de Dieu. Moi, je ne suis pas venue, mais ce n'est pas le bien matin comme ça pour venir vous parler de la parole de Dieu. C'est Dieu qui s'est mis entre moi pour venir vous parler de la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, vous devez donner vos vies à Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez donner vos vies à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu, tu n'abandonnes jamais ses enfants, ma sœur. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, ma sœur. Tu dois te repentir. C'est le moment de lever tout le perroquet, les tissages et les bâtards que le Satan a fait. C'est le moment de coiffer ça. Ça, ce n'est pas des mèches. C'est des cordes que je porte. Je ne porte pas de mèches. Je ne porte pas des mèches. Je porte des robes blanches. Je m'habille comme ma mère. Comme ma sœur, tu ne dois plus porter des mini. Tu dois t'habiller décemment parce que c'est comme ça qu'on fait la volonté de Dieu. Si tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, Dieu aime ton affaire. Dieu aime ton affaire et tu dois l'aimer aussi. Tu dois l'aimer. Tu ne dois pas faire ce que Satan te demande. Tu dois faire ce que Dieu te demande. Parce que Dieu est Dieu de toi. Tu dois le remercier pour tout ce qu'il a fait pour toi, ma soeur. Il a fait pour toi, le gros. Il a fait pour toi. Tu n'as que ta bouche pour le prier. Mais ce qu'il a fait pour toi, tu ne peux pas le payer. Ce qu'il a fait pour toi, tu ne peux pas le payer. Tu n'as que ta bouche sans main pour le prier. Mais ma soeur, je t'ai dit de te répondre. Je t'ai dit de te répondre tout de suite. Je t'ai dit de te répondre tout de suite. Parce que quand Dieu te
la trompette les sonnera. Si tu as péché, si tu as trop fait de péché, celle-là se répandit. Celle-là se répandit. Celle-là va la témoignage. Celle-là de rendre le témoignage que t'as porté trop de vie. Que t'as fait, t'as mis trop de poussage. C'est l'heure de porter la chaussure maintenant. C'est l'heure de ne pas porter la nuit. C'est l'heure de s'habiller doucement. Tu n'as pas du tout faux pour des pantalons. Tu ne crois pas que tu es long et porte des chaussures.